Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui, hein, qui c'est dimanche 29 janvier 2023, pour me porter émission Parlant pour vous, mon éditorial avec Yannick. Eh bien, aujourd'hui, on m'a profité, souhaiter un joyeux fête d'anniversaire à Xami nous et supporter nous, fanatique émission, hein, Ernst Beauville, qui lui-même a fêté un nouveau printemps. Et fête là, c'était hier, l'été, mais aujourd'hui, on m'a décrété fête là, continuer parce que moment spécial ça yo, moment important ça yo pour fanatique, pour zanmi nou yo, nou pa ka kite yo passé. Et comme si de rien n'était, fok nous là pour nous bayou love là, même j'ai ba nou love là tout en retour. Donc jodi a frè pam, profitez de journée, profitez de fête là, enjoy ou amuse ou, kembe même énergie positive là, kembe même fouglan, même détermination, même sens patriotique ça, pour aimer pays ou, pour aimer, et pour ta aimer ouais pays ou changer. Donc, on nous continue et, m'a encouragé à inviter ou même qui a regardé vidéo à souhaiter amis un joyeux fête d'anniversaire pour lui continuer sourire. Pendant week-end là, gagné deux interventions qui fait. Gagné premier ministre Ariel Henry qui parlait. Gagné DG la police France LB qui parlait. Honnêtement, moi qu'a dire ni une ni l'autre, you know ça yo di pas convaincant. Que te France LB DG la police discours, communiqué, conférence de presse, il n'est li pas convaincant parce que si n'a constaté réalité, hein, jour nan moment n'a parlé à la, policiers ont toujours des revendications à porter. Policiers ont toujours des frustrations à faire passer. Policiers ont toujours décidé pour yon kembe la ou yon kembe mouvement, yon commencé yon temps mais là. Et des policiers matin m'attendaient qui fait connaître que d'autres inspections générales, d'autres directions générales, la police, CSPN, pas bayo yon date, pas bayo yon jour pour yon mener opération, krasé sa vie plate là, yon même, yon pas continue travail, yon même, yon pas rentre dans base parce que mobilisation c'est sous béton lié. Gros bagay qui est extrêmement important, et pour qu'on est, parce que en tant que directeur la police, DG France LB, il a une responsabilité. Non seulement il a une responsabilité vis-à-vis des policiers, vis-à-vis des institutions de la police, mais tout vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la population. Parce que c'est lui-même qui a une responsabilité pour garantir la sécurité dans le pays, pour le protéger et servir la population. Mais France LB vient trouver une situation en tant qu'autorité, en tant que DG de la police. N'a pas gardé France LB qui t'a fait, qui t'a fait conférence de presse. France LB n'a lui-même ni sentil faille à mission. France LB a parlé par son autorité qui a parlé. C'est vrai, bon drame de l'institution de la police. PNH à la fois fragile et fragilisé son institution. Si on pas prend bien, si on pas remédier situation, si on pas garde comment pour yon faire pour yon remonter pot là, son institution qui a appelé à craser, son institution qui a appelé à disparaître parce que c'est ça nèg yo a chercher, c'est ça nèg yo besoin. Puisque en dedans l'État, c'est gang qui sous pouvoir, c'est gang qui a pris décision. Eh bien, comme c'est gang qui a contrôlé l'État, comme c'est gang qui a puissance, qui a influence en dedans pays, yon, yon vle remettre sécurité population, sécurité pays, yon, bah gang tout. Donc si pas yon PNH, c'est gang net kap de reprendre, c'est gang qui pral décider. Et là, nous disons que c'est gang qui a décidé. Ah, c'est pas menti. Je vais faire nous tendre un son. Moi-même, dans les bagailles là, mes stomacs sont frustrés. Parce que nous connaissons déjà la complicité entre l'autorité et l'État avec gang. Les politiciens dans la gang, les gens qui sont dans le secteur privé qui financent la gang. Mais, revenons au niveau pour nous exposer les policiers, pour nous faire les policiers de manière involontaire travailler avec la gang, collaborer avec la gang. Non, mon cher. Payant crasé vrai, payant fini vrai. Bon, faire nous tendre et qui sa magistrat Kamo fait policier ou nan lien cour. Et le kounye, alors fin tende, wap ka gen plus idée comment policier sa yo, comment sept policier sa yo fait sot mouri la, comment neg sa vient fait arriver assassiner policier ou nan lien cour. Nous tendre ensemble. Le ma vie m'oblige til. Ou konne nous même policier nous ta travail lien cour. L'agent Luxon va nous manger. Chef gang ça vient va nous manger. L'agent Luxon, chef gang ça vient va nous manger. Manger. Comment ça? Nous va connaître. Et va connaître. Nous va le balzou. Nous va connaître manger. Magistrat Lyon quoi? Il vient parler avec CP Saint-Marc là. Demandez, faut qu'il y ait un papa. Que nous connaissons magistrat, ça ne va pas paraître.
il va pas comme étant doute pour monde qui nous connaît qui s'est allié dans nous. On parle des magistrats liens pour. C'est quand même ainsi. Oui. Ah, non, bon, vous savez que vous êtes là. Oui, oui. Et bon, policier, pas ville. Et même magistrat, ça qui ça le fait. Lève une genou. Puisqu'elle lui demande des fois que les policiers allient pour nous dire bon, et puisqu'elle n'est pas préparée pour ça, et moyen pour les policiers capables de manger pour fonctionner lui à coup. Mais tout de suite, ça, monsieur. Monsieur dit, des citoyens liens pour la diaspora qui mettent ensemble, ils payent un restaurant pour la révolution manger. Dans le pour est-ce que ça? Oui, vous dites, ok, pas de problème. Ils payent comment manger pour nous? Oui, pas de problème, puisque c'est une autorité qui paye manger pour la police, pour le travail, et pas de problème. Je conseille à un magistrat. C'est le magistrat même qui dit ça. Eh bien, dans l'agence ça a coupé le restaurant, l'agent l'élection de l'agent. Le magistrat a mandé l'élection de l'agent pour le restaurant. Tout le monde parle de nous. Nous pas venir connaître ça. Nous pas venir connaître ça. C'est les nous, un premier jour pas gagné manger, un deuxième jour pas gagné manger, un troisième jour pas gagné manger. Nous posons la question, ça passe pas gagné manger. Et là, ça n'a pas pris. Même si ça vient, ça a été sauté sous la rue. Les autres sous la rue, ils ont vu faire face carré avec nous. Eh bien, nous frapper avec eux, nous tirer sur eux. L'exon y a des soldats qui blessent et qui même mourent. Et puis il s'est dit, ça n'a pas de droit faire. Il n'a pas de droit à défoncer la police manger pour la police à tout le monde. Parce que les magistrats n'ont pas demandé de l'argent, c'est pas ça va être des villes. Les magistrats, on l'a grave en pile. Si on est pour sortir sous la riasse, la police pour faire la police réplier. Bien cause, les gens ont les gens. Les plus que ça nous est devant chez moi. Mais plus que ça nous est devant chez moi. Les manger, les l'argent qui font bon, à dépenser pour bon manger. Et vous mourrez, qui finance le monde, vous pensez que vous êtes en ce moment, vous ne pouvez pas vous dire là, à laquelle? Oui. Nous vivons si il vient, la travail si il vient. C'est pas le même monde qui remet nous. Dans le commissariat, il y a souvent fait manger, c'est dans le commissariat nous manger. Manger nous finit, nous dit d'aider à manger nous finit. D'aider à dire la vous manger pour nous. Manger d'aider à vous pour nous, son signe d'aider, pas sous fort des couilles. Policiers, dans le 21e siècle. Alors, ce qui va manger ça au côté qui vient, c'est des petits cabis ou à mettre nos petits galons sur les chauffeurs, mais qui tout bien les voulez pour nous. Policiers en plein 21e siècle, mais manger nos chers à vous. Les problèmes sont regardés à aller plus que ça. C'est ça qui fait. Je dis à la, nous-mêmes policiers dans le département de la Tibonite, Gonaïf, Sema, nous campions. Pour nous dire que nous ne parlons pas de ni vivre ni en bas. La fait un mouvement de politique. Oui, nous parlons de politique. Un mouvement, si nous avons des gens qui disent ah bah rien, ça c'est nous, c'est pas nous. Si on dit ah bah DG, ça c'est nous, non, c'est pas nous. Si on dit ah bah CP, c'est pas nous-mêmes. Mais seul ça n'a dit. Je dis à nous clandestiner nous en main, nous demander avec vos commandants, avec l'État central, pour finir à parler avec nous, pour dire qui ça a fait la fuite pour ça vient casser. Et tout autant que pas gagné une opération. Oui, c'est pas son bagage, il va dire nous, et n'a préparé ou bien n'a planifié, n'a pensé, non. Faut qu'il dit nous. Mais date là, mais qui l'est, mais qui ça a fait, faut que nous ayons tout matériel, nous venons dans le cas de salut. Depuis le pacte comme ça, nous pas travail. Nous pas travail, ultimement. Bon, là nous sommes dans des déclarations aux policiers. Pas de bien cacher l'ombrite. Ok? Pas de bien cacher l'ombrite dans le bagage là. Son réalité, son fait. En dedans l'institution de la police, il est corrompu. En dedans l'État, tout est corrompu. Je ne dis pas tant de responsabilités magistrat Kamo dans l'alliance avec Neg Savien, dans l'alliance avec chef gang Luxon, prend l'argent dans mes bandits, l'argent kidnapping, l'argent sang, l'argent sale pour faire policier au manger. Pour qui ça? Policier, d'où comme ça, yon connaît qui l'argent a mangé. Yon connaît, mais yon vient trouver une situation, tant de qui ça? Autorité supérieure envoyé comme manger pour yo. Si manger nous kon wè le 12 janvier te gen yon. Le te gen 12 janvier sa yo te kon voye yo. Si manger tout fermé nan ti boîte yo baye sa yo. C'est yo même. C'est yo même. Bon, qui sa gen la? Pour quand tu te l'argent qui disponible dans le ministère de la justice? Pour quand tu te l'argent qui disponible
en dedans ministère affaires sociales pour qui ça pas kage programme qui mettait campé pour accompagner policiers pour bay policiers manger pour qui ça pas kage restaurant communautaire qui mettait pour bay policiers manger. C'est pas bagay pays qui a réglé. Nèg yo créé toutes conditions pour policiers à corrompu. Nèg yo créé toutes conditions pour institution la police écrasé. Parce que automatiquement, policiers a trouvé nos situations. Li gen frustration. La travail li pa ka manger. La travail li pa gen munitions. La travail li pa équipé. Donc, ou pensez policiers sa jam content? Ou pensez policiers sa jam à l'aise, sa jam confortable? Journée jodi, ça a passé en dehors de l'institution la police. Ça était prévisible. Li te prévisible malgré gen moun kap dou gen men politique derrière gen nèg ki profite régler bagay politique yo mais lò nan kondisyon de travail ki pa réuni ki pa respecté c'est normal pour revendiquer pendant ou état major la police a bien passé pendant nèg ki nan CSPN a bien passé a fè paquet l'argent sous dos policier malade policier mouri famille yo petit yo pa ka continue à l'école madame yo pa jwenn l'argent pour occuper petit et puis nèg sa ou ki nan état major la police a bien passé sous dos policier hier gagné et yon communiqué qui rive joindre moi ou a garder dans communiqué ça c'est son agence qui te voye le bail responsable sinapowa côté que yo présenté yon liste policier qui yon même en de l'institution la police qui gen agence de sécurité. Yon ap gade association des agents de sécurité professionnelle. Eh bien, en de dans l'ISA, bizarrement, premier nom qui nan tête de liste, c'est DG la police France LB qui gen compagnie sécurité qui rele sécurité plus. Après ça, gon paquet l'autre policier, ou dou soti nan ou état major la police, rive nan agent 1. Et majorité nèg sa yo c'est nèg 18e 19e promotion qui yo même yo gen agence de sécurité yo en dedans la police yo gen compagnie sécurité yo kounya posez tête question pour konnen est-ce que nèg la li ka responsable sécurité nationale li ka responsable sécurité en pays et puis dans l'autre bord li gen compagnie sécurité pal li gen compagnie sécurité pal en parallèle côté la protéger des VIP etc. Nous non pays côté que gen en bas aux âmes. Côté nèg sa yo jwenn zam pou yo monter compagnie sécurité yo. Oui, c'est vrai gon décret 19/1989 qui permet que et en particulier mettez campé compagnie sécurité l'agence de sécurité en Haïti. La loi bay moun yo autorisation. Non même décret ça l'homme té aller fait ses recherches, décret yo pas mettez incompatibilité comme si soit travail dans la police ou bien travail dans l'armée ou pas ka gon compagnie de sécurité. Même dans le code déontologique institution la police, il n'y a pas interdit ça. Mais quand il y a des conflits d'intérêts qui a gagné, l'on a des côtés éthiques, le code d'éthique, règle éthique, quand il y a demandé est-ce qu'on DG la police, non, l'autre bon, il y a président ou bien le propriétaire en compagnie de sécurité. Nous avons un pays qui a un bagage aux âmes. Autant des États-Unis, d'où il y a un bagage aux âmes. Mais quand il y a des gens qui ont des âmes, quand les gens jouent des armes, achètent des armes pour mettre dans la compagnie sécurité, pour les agents de sécurité. Ça, c'est une question. Puisque nous avons des armes, nous n'avons pas acheter des armes. Mais l'autre majorité des dans l'ISA, c'est des nègres qui ont de l'institution la police. Quand nous avons posé cette question, en plus, les policiers ont plein, ils n'ont pas de matériel, pas d'équipement, etc. Mais une institution pas ka fonctionner sans équipement policier pas ka aller en combat pas ka bataille ça yo pas gen balle ça yo pas gen munitions etc. Kounye ya ou obligé poser tête question le modèle moun sa yo c'est eux même qui est dans la police yo nan état major la police yo influent dedans institution est-ce que yon pas utiliser matériel PNH dans agence de sécurité pa yo est-ce que balle la police là zam la police ça yo pas utiliser les gon l'autre bagay gon l'autre aspect qui est extrêmement important. Ou bien obligé à réfléchir, à penser, à faire des analyses sur possibilité qui t'a gagné pour zam sa yo qui nan compagnie sécurité, même policier sa yo qui rentre dans l'institution la police. Ces zam qui achètent dans marché noir, qui dit zam qui achètent en bas table marché noir, etc. Ces zam illégal yo, comment yo t'a fait pour légaliser yo? Alors que moi-même fais constat, gros paquet nèg qui gen compagnie sécurité yo là, yo qu'on a protégé via et puis on garde des séries de gros armes manches longues, gros calibre qui dans nèg yo, alors que décret sous armes à feu en Haïti, même décret qui crée qui bail possibilité pour mettre cap pour agence de sécurité, yo ba ou qui qualité armes ou ka gagner ou ka utiliser. Qui qualité armes 12 ou ka utiliser.
zam et 38 ou ka utilise, etc. Mais kounya lo ap gade de série de VIP, nèg ka protéger yo, ka sécuriser yo, ou tande se bodyguard yo, gros zam manche long, gros zam 20 fois kote yo jwenn ni. Laisse ça, ou pral gete konnen, se nèg, se directeur la police, se kopay directeur la police. Oui, c'est compagnie inspecteur la police, c'est compagnie policier qui influent, qui gen contact, qui gen politicien derrière, mais c'est pas seulement ça. Gon paquet sénateur, député là té dans parlement, yo gen propre compagnie sécurité. M'a besoin faire personnalité, mais nous connais yo. Sou pas connais, m'a bon exemple, et sénateur Yuri La Tortue. Sénateur Yuri La Tortue, té gen compagnie sécurité. Vous comprenez? Donc par rapport avec situation ça, Nous avons un grave problème de sécurité en dedans pays. Nous avons un problème de prolifération d'armes en dedans pays. Quand tu as des armes illégales qui circulent. Je vous dis, je ne sais pas même quoi c'est NDDR en mesure pour dire qui quand tu as des armes illégales qui gagnent. Qui quand tu as des gangs qui gagnent en dedans pays. Qui quand tu as des nègres qui ont des gangs qui affilient à gangs en dedans pays. Parce que l'autorité n'a pas assumé la responsabilité. Mais pour l'autre aspect qui est important. Dans la question de la sécurité, dans la question de gestion de territoire, dans la question de sécurité intérieure, où est une institution qui est importante, une institution qui est incontournable, qui est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Même dans la question de créer agence de sécurité, le ministère de l'Intérieur est incontournable là-dedans. Pourquoi pas la sécurité utilise des armes gros calibre? C'est le ministre intérieur qui pour bail approbation, qui pour bon habilitation spéciale. Si nous regardons les complicités qui existent aujourd'hui, entre autorité de l'État, surtout l'offre des ministères régaliens, institutions régaliennes, comme par exemple, ou prend le ministère de la justice, ou prend le ministère de l'intérieur. Yo incontournable aujourd'hui là, gros paquet de corruption qu'a fait ou toujours tande yo là-dedans, yo impliqué question gang, question bandi qui gagne accès badge ministère intérieur comme conseiller, comme ceci, comme expert. C'est toujours même scandale ça yo parce que ministère ça yo pas capable dans question corruption, yo pas capable dans problème insécurité parce que modèle dirigeant toujours là-dedans yo. C'est dirigeant corrompu, c'est gang, c'est bandit avec. Et par rapport à la situation ça qui est en dedans le pays, là, que et Francel Berriel n'y a pas qu'à contrôler, n'y a pas qu'à gérer. Eh bien, hier, moi, apprendre, il était bien tard aux environ 11h30 minuit. Il y a une grosse réunion, il y a une expertise qui a fait pour voir comment pour arriver à changer Francel B. Joue Francel B, probablement compter en dedans l'institution de la police. Parce que Francel Bell pas arrivé convaincre international dans yon bord, li pas arrivé convaincre policier yon l'autre bord par rapport avec volonté, par rapport avec comment qui stratégie, qui tactique, qui manœuvre yon pral mettre en place pour ba une réponse. Jounen jodi an la, nous pas besoin on DG la police quoi craser, on DG la police ka vinn ba moun bluff money get etc. Nous besoin nèg qui ka porter solution, qui a réagi par rapport avec la situation. Nous avons besoin de gens qui ont grain ni plein mail, comprenez, qui a porté en réponse avec bandi. Nous monter dans un pays on a joué privilège, machine blindée, sécurité, deuxième résidence, perdième, l'argent. Comprenez? Et puis nous pas capable résultat, même mon bandi, même mon chef de gang notoire, nous pas capable démanteler. Nèg village tellement à l'aise, ils ont mis des caméras. Ils ont pris Matisse en poulinette. Ils ont pris Matisse en poulinette, puis contrôlé rentrer, contrôlé sortir, ils mettent des caméras, etc. Nous pas honte. Matin, m'a regardé photo, vite l'homme tellement senti à l'aise, tellement senti confortable, il fin touye et 4 policiers dans commissariat Pétionville, nous pas réagi, nous pas bal réponse, nous pas faire rien. M'pa di nou al pote bourré à chaque fois bandité et bandi attaquer policier non, mais le nou pa jam fè rien tout bandi senti le confortable matin il descend avec bakolo de li l'écrasé commissariat Pennia l'écrasé ça l'écrasé on regarde dans photo là l'écrasé l'écrasé l'on froid. Donc jounen jodi an la, son pays nous voulait faire jounen jodi an la, nous ka continuer à croire que nous gen autorité,
nous avons autorité en dedans institution la police, nous ca continuer à croire Francel Besson directeur général de l'UNHCR, alors que là sur la conférence de presse comme ça il dit s'il vous plaît, il dit oh dedans sous commissariat Permier hein, et policier yo, par rapport avec différentes attaques vite l'homme te fait nous changer, nous mettez unité d'élite, unité spécialisée etc. pour répondre avec attaque yo. Mais maintenant là qui sont bras dim. Qui soit bra dim, m'a regardé photo sous commissariat qui crase plate. Ou pas ta dit son goudou goudou passé. Comprendre? Bagay sa yo, chaque coup yo fait les situation nous est là. Chaque coup bandi yo réagit comme ça policier yo même yo énervé puis red. Policier yo enragé puis red. Est-ce que frustration policier yo pas légitime? En tout cas, et c'est ça qu'Haïti, hein, c'est ça qui autorité pays yo tout, autorité dans gang, autorité dans alia bandi, autorité à faire police manger l'argent bandi, d'une manière ou d'une autre pays, hein, son pays besoin réformaté. Par rapport avec situation nous qui a développé là en dedans la République, et nous pral gen pour nous font parler avec Stanley Lucas, nous pral continuer faire analyse yo. Mais avant qu'on information qui arrive joindre moi, il est extrêmement important pour me partager là avec nous. Et il y a une information qui fait quoi que policiers en un moment là, yo vle venir avec une formule zéro tolérance. Zéro tolérance. Et comment m'dande yo pral appliquer formule zéro tolérance là dans zone Kafoufeuille, dans zone Bostad et dans zone Portail, m'dande si yo ta croisé avec un moun yo camper moun nan, yo fouillé téléphone, yo ta joindre musique ISO sous téléphone moun ça etc. yo yo pas même perdu ta arrêté li y a exécuté leur paquet de formation. Moi même m'kembe information ça yo jusqu'à preuve du contraire comme rumeur. Nous connait pour qui ça parce que c'est vrai policier ont des frustration, policier ont énervé, policier ont fâché, policier ont révolté, ont rébellion etc. Même pas quoi c'est ça qui a changé on bagay exécuter moun et vous comprenez rivé mettez tête nous en situation hors la loi hors la loi hors la loi parce que n'a pas défendre bagay qui sacré dans institution qui c'est principe et si n'a pas défendre principe nous pas ka aller à l'encontre de principe yo. Et c'est vrai autorité ou pas bon autorité ou aller à gang autorité ou exposer la vie policier yo mais je ne jodi hein et li a plus important si nous pas vraiment rete focus sur information sa yo parce que information sa yo n'a pas considéré comme intox, n'a pas considéré comme intox parce que nous rete quoi policier c'est moun qui réfléchit, qui pense, qui sensé, yo pas privé et dans extrême ça. M'bral faire contact pour me recevoir Stanley Lucas pour nous ka continuer parler de problèmes payants, de situations difficiles qui gen là. J'aime te geta annoncer li, et bien moi gen Stanley Lucas qui souligne dans là ensemble nous pral continuer analyser situation payant et surtout et par rapport avec situation difficile PNH et là dans moment là nos institutions qui presque écrasé, li important pour nous joindre des considérations et bon, est-ce que m'ka là moi les Stanley expert, mais li important pour le bail point de vue sur ça qui a passé institution la police. Et Stanley, m'a partage un petit information avec vous. Et m'konnen toujours gen information. Bon matin là, et information qui rive joindre moi gen gang vite l'homme nan qui crase plate sous commissariat et Pernier. Et déjà là, ça c'est on est comme si yo met ton petit l'huile sous du feu PNH, sous du feu policier. Par rapport avec situation ça et par rapport avec policier tout qui dans la rue hein, et comment comprendre démarche ça policier en rébellion policier dans la rue dehors net d'autant que et pas gagne un changement significatif qui porté en dedans PNH. Comment comprendre situation ça qui a passé actuellement en dedans institution PNH? Et merci. Et oui, sont experts moi, ils sont experts en développement politique. J'ai 25 ans d'expérience côté de travail dans des pays de l'Amérique latine, de la Caraïbe, en Afrique, en Afghanistan et au Moyen-Orient, dans des institutions internationales. Donc, pour qu'on comprenne ce qui a passé aujourd'hui, obligé à un petit bac pour garder les acteurs qui sont en présence, qui est-ce qui est qui côté au sorti. Faut pas oublier que dans la tête de l'État, ou un premier ministre qui est impliqué dans tous les présidents. Premier ministre, ça, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, secrétaire général Palais National, ils ont impliqué dans la gang yo et dans le trafic ZAM. Ils ont été dans le complot avec gang yo avant et après tout le président Jovenel Moïse. Objectif là, c'était pour éliminer.
autant d'interviews, vite l'homme innocent qui a expliqué comment c'est eux même ensemble, Ariel Henry, André Michel, Nenel Kassi, vite l'homme, oligarque Pétionville, qui crée Fantôme 509, qui sont organisations criminelles, qui ont des policiers révoqués pour drogue, pour crime, pour conseil de bail, fait dans la police, là, et comment organisation ça c'est eux même dans 400 Maozo à vite l'homme innocent, oligarque Ariel SDP, qui crée. Donc, l'on contexte ça, où est son coalition d'assassins, ou mandé tête, ou qui ça a passé aujourd'hui. Il y a deux dynamiques qui sont importantes pour séparer dans ce qui a passé aujourd'hui. Okay. Première dynamique, là, son dynamique de règlement de compte. Ça veut dire que chef de gang, 400 Maozo, vite l'homme innocent, qui a contrôle Torsel, qui a contrôle Peigné, qui a contrôle et région ça, et faut pas oublier que José Pierre, lui, sous l'ordre d'Ariel Henry, t'es invité lui dans le palais national pour venir discuter, finaliser qui combien de corps qui a bali en fonction de projet tout le président qui a été gagné et qui positionne l'État, qui direction générale qui a bali. Tout le monde connaît que réunion ça a passé mal parce que vite l'homme innocent qui suspecte que Kagen Kou, ça a un avocat qui l'a dévoué. Donc depuis le ça, même dans l'interview Vitelhomme d'où consacré, et nous toujours en discussion, mais ces thèmes que vous proposez, il n'est pas d'accord. Ça veut dire que n'ayez pas promettre, monsieur Kob, vous promettez les positions dans l'État. Mais les thèmes que vous proposez, bah, lio, c'est lui pour d'accord avec vous qui fait vous pour finaliser. Donc, ce qui est passé là avec Vitelhomme, attaque commissariat, il fait partie de même bagaille que coalition assassin ça a été qu'on fait sous président Jovenel Moïse. Il a été servi à gang yo. Pendant le président Jovenel Moïse était là, il a été éboulé 15 commissariats. C'est deux commissaires dans la police là, et le journal américain était écrit sous ça, qui dans Fantôme 509, qui a fait opération Village de Dieu a échoué. Donc, premier bagaille pour garder, c'est Goumet qui gagne en dans coalition pour que des promesses qui étaient faites entre eux qui va respecter. La première. Donc ça qui passe là, nous avons considéré son règlement de compte. Un règlement de compte entre assassin qui participait dans tout le président, qui t'a boulé pays pendant pays lock, qui t'a qu'on a attaqué la police pendant pays lock, qui boulé 15 commissariats, 8 tribunaux, 7 mairies, boulé l'école à Gagnon pendant pays lock. Bon règlement de compte parce que gain séparation comme à position dans l'état mal fait. En fait là en Vitelhomme, Ariel, oligarque et Latrier. Deuxième bagarre qu'a fait là c'est que ça négio, l'aime dit négio, assassin qui touye président pas t'attendre c'est que le fin touye président peuple a t'a réagi, j'en réagi a. Elle dit non seulement le 7 juillet peuple a marré soldat colombio qui touye président peuple a t'a cherché oligarque qui touye président mais depuis 17 mois 18 mois bon résistance même sous Powell clair mais résistance là clair bon refus dans la rue. Donc le négio ouais que peuple a passé non première phase de refus. Donc, deuxième phase, assassinat président Jovenel, vin kaléger peuple là. Pour qui est André Michel, qui est tout bon, qui est Ariel, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop, Edouard Boussan, qui est dans le groupe de Boudin et dans Unibank. Negyo, en fonction de l'analyse que vous fait, pour changer peuple là calé, lui ouais qui est qui représente l'ennemi, dans l'oligarque Pétionville, dans Ariel Henry, dans SDP, dans Guinité et Latrie. Negyo vin font réflexion, yo ouais, devant j'ai calé peuple là cap marcher sous yo seul gens pour protéger tête yo système que président Jovenel Moïse te commence écraser a yo touyer pour ça et yo peuple là pral vin craser système là seul gens pour yo sauver système là faut que yo créer une intervention militaire depuis mois de juillet y a bat tambour intervention militaire malgré tout le pas marcher donc nèg yo qui ça yo fait yo prend Fantôme 509 coordination Fantôme 509 là dans tête li ou Dimitri Vop. Et puis, ou gen trois commissaires avec un inspecteur dans la police qui a coordonné pour lui. Eh bien, objectif nèg yo les attaquer aéroport. Donc, nèg yo te gen deux objectifs dans l'attaque aéroport. Et premier objectif là, les ont prendre la rue jeudi et vendredi, c'est pour pas quitter peuple à prendre la rue. Parce que vous connaissez depuis peuple à prendre la rue, ou entre dans dynamique bois calé, ni Ariel, ni SDP, tout assassin qui dans tête l'état au chiri.
Donc, premier objectif que vous avez gagné, c'est garantir que dans la violence qui a fait, prendre les machines dans la ria, attaquer l'aéroport, faire intimidation, c'est pour le peuple à boire calé, à battre non boire piquant dans la mer. Deuxième objectif que vous avez gagné dans faire violence dans la ria, c'est pour voir un message à l'étranger. Lorsque attaque un aéroport, laisse ça, ni madame la lime, ni oligarque, ni Ariel, qui a fait plus bon démarche avec nouvelle ça, pour dire garder ça va y dégrader, faut nous voyer soldats étrangers vite pour que justement viennent protéger et sécurité pays a viennent protéger gouvernement. Donc l'Énégal fait violence dans l'aria, c'est pour forcer intervention militaire, c'est pour forcer intervention militaire et intervention militaire c'est pour venir protéger gouvernement Ariel là, soldats étrangers viennent protéger gouvernement Ariel là et protéger intérêt oligarque. Donc ça est cap développer là, il y a deux dynamiques là-dedans. Dynamique vitel homme règlement de compte, dynamique Ariel cap sacher soldats étrangers pour venir protéger par rapport à peuple là qu'on est pour lever camp contre lui. Donc là c'est bien comprendre Stanley et policier ça qui dans la rue ou assimilé directement à Phantom 609 mais c'est pas policier qui en rébellion qui a fait revendication passé par rapport avec frère Damien qui tombé. Policiers, 99% policiers, c'est bon monde que vous avez, vous avez des revendications légitimes. Faut pas oublier que depuis Ariel monté là, il y a 82 policiers qui sont tombés et dans 25 jours qui sont passés là, il y a 16 policiers qui sont tombés. Policiers, ça, yo, c'est des policiers légitimes qui ont des revendications qui parlent pour des tas, parlent de mauvaises affaires. Policiers, ça, vous voulez accompagner le peuple là. Les Ariel avec Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Reginald Boulos, Edouard Boussan, ou ça. Vous voyez 100 fantômes 509 à gâter la ria pour que mariage entre 99% policiers qui bon yo et peuple a pas fait pour système n'a pas crasé. Parce que depuis mariage ça a fait 99% policiers qui pas dans gang, qui pas dans mauvaise affaire, qui gagne bon genre revendication. Depuis a comparé peuple dans la ria dans revendication, il a marché prendre ni Ariel ni Toliga qui a ban nous problème depuis à peu près 4 ans et demi en dedans pays à empêcher moun vivre. Mais comment arriver à faire distinction ça? Le n'a pas gardé, le n'a pas suivi et chronologie, et policier aller dans la résidence officielle, et après ça, policier descend à l'aéroport, policier aller carrière dans Vivi Michel. Comment arriver à faire décantation entre policiers et Phantom 609 avec vos policiers? Deux bagailles. Et premier bagaille là, l'on a regardé vidéo Phantom 509, les hauts appropriés, le président Jovenel Moïse était là, j'ai été attaqué FAES, j'ai été attaqué ONA. Yo attaqué le ministère finance, le ministère de la justice, primature, la trier, ou est ce même mode d'opération. Deuxième bagarre là, si c'était pour policier qui est énervé, tout bon, en fonction de revendications, gain balle tap qui tap tiré. Le fait que deux bagarres ça, ou est au clairement, pas gain balle qui tiré, ou est ce même mode opérationnel là, ou est ce théâtre qui tap joué en faveur Ariel. Donc, là, pour moun yo ka clair, pour moun yo ka comprendre, et policier sa yo qui te a la carrière en rien, et c'est ta bon policier ou bien policier Phantom 609? C'est Phantom, parce que là, Ariel avec Oligat yo font un calcul. Yo, si yo qui te revendication policier, 99% yo, marché avec revendication peuple, ni Ariel, ni SDP, ni Unité, ni ne kap boule l'école depuis 4 ans et demi, ne kap boule commissariat, boule tribunal, attaquer ministère, attaquer l'État depuis 4 ans et demi, avec des coalitions assassins qui n'ont tête l'État, depuis qu'il y a des mouvements, ça apprend encore, ils ont chiré. Donc c'est pour ça que vous voyez Phantom 509 infiltrer tout bagay pour gâter ça que tu as fait là et intimider la ria pour moun pa pren la ri. Objectif principal, yo te gen jeudi, c'est pour garantir que le peuple va soutenir la ri. C'est pour ça que vous Phantom 509 tap tiré dans la ria, saisi que les machines moun, intimider moun. Objectif là que Phantom 509 gagne, c'est pas quitter 99% police là marié avec peuple là qui besoin marcher pour un exaio qui depuis 4 ans et demi a mettre violence, bouler l'école, attaquer l'État, attaquer la police, craser les fondements de l'État pour oligarque, pour défendre l'intérêt oligarque pays d'Haïti. Mais je dis, système n'arrive non côté, les ouéke, salguin là avec Ariel Henry, pas kakembe. Et ça, Edouard Boussan, madame la ligne, t'as le monté pour bailler au conseil de transition. Son ballon déjà dégonflé. Les nègres, le peuple a marché vite sous yo là. Seul gens pour sauver tête yo, c'est pour une intervention militaire étrangère pour venir protéger yo. Pour qu'à mettre de l'eau dans le moulin intervention militaire,
faut une violence en dedans pays a pour comme justification pour que madame la lime avec oligarque qui a continuer démarche intervention militaire pour soldats étrangers venir protéger nous connaît que même l'état gain soldats dynamique ça va pas changer oligarque est très loin même radio n'a décidé de pas payer publicité dans radio tout autant que radio pas prendre position en faveur intervention militaire c'est pour ça que plusieurs gros radios dans capitale là n'a fait esprit ou pas publier publicité radio pas faire payroll pour forcer ou mander intervention militaire en dedans pays. Mais bon bagay qui paraît tout petit genre flou nous pral aller étape par étape pour pral ouais ça m'a pas avancé hein. Photon 509 à la base c'est Vite l'homme SDP pouvoir réel qui crée Photon 509 c'est ça bagaille c'est ça idée c'est ça OK Photon 509 yo al craser pas dans l'idée pour une intervention militaire donc et n'a pas parlé de Vite l'homme qui a un règlement de compte la faire avec pouvoir réel parce que il pas de poste bon petit détail pour pas oublier qui est très important bon côté dans interview Vitelhomme nan et Vitelhomme innocent dit que nèg yo trahi et puis al chèche G9. OK. Mais ça m'pa ka comprendre nan. Si bon règlement de compte pas bon côté Vitelhomme avec pouvoir Ariel Henry et c'est Vitelhomme qui était à la base de création Phantom 509 qui a jounen jodi a k'ap tire ficelle lan derrière Phantom 509 qui mettait Phantom 509 dans la rue pour al craser aéroport là. Oligarque Dimitri Vob, c'est lui même qui gen contrôle Phantom 509. Et coordination Phantom 509 en dans la police là, c'est trois commissaires de police avec un inspecteur de police qui coordination qui sert au Phantom 509 là. Yo prend l'autre directement de Dimitri Vob, l'autre ça yo aller via un ancien sénateur de l'Ouest, via ancien magistrat Port-au-Prince là et via un chanteur qui fait monter descendre qui porte communication orale pour Dimitri Vob, albay Phantom 509 albay ISO dans village de Dieu. Qui ça d'après vous même qui empêchait pour ta révocation moun sa yo qui fait partie inspecteur commissaire qui yo même gen relation avec Phantom 509. Bon, problème nan faut pas oublier tout et yon nan nèg kap manipulé et pouvoir bio, monsieur Sénèg qui te kon travay comme consultant yo, Sénèg sa yo te paye nan parlement pour faire le président provisoire et faut pas oublier que yon nan nèg qui a servi pour manipuler LB c'est Jocelyn Brivert. Donc ça veut dire que nèg yo gen plusieurs canaux et ça m'a doulan faut pas oublier que gon compétition entre coalition assassin qui nan tête l'état. Jodi a est-ce qu'on non situation côté Vobio pas fait Ariel Henry confiance encore côté a passé essayer passer l'autre vitesse avec privé LB et coordination Phantom 509 qui nan tête l'état. L'on garde rapport et s'il confirme que c'est rapport officiel direction départementale Latibonite là dans ça passé dans Latibonite là avec six policiers qui tombé yo ou est que pral gen gros problème en dedans c'est coalition assassin qui a gouman entre yo. OK et c'est là par rapport avec dossier intervention militaire là et à plusieurs reprises moi qu'on attendé émission qu'on a fait avec vice-président et Salvador là Félix Uloa. N'a regardé après présence premier ministre de facto Ariel Henry dans sommet CELAC là et Salvador ta proposition pour ta supporter Haïti dans cadre intervention militaire là et qui position qui compréhension de déclaration Félix Uloa a fait dans ça qui est pour avec dossier intervention militaire là. Bon, on connaît moi-même dans cadre d'expert moi en développement politique. Nous travaillons à peu près à 30 présidents dans le monde là, une quinzaine d'anciens présidents et des vice-présidents, des anciens premiers ministres, des ministres et des chefs de parti qui travaillent avec eux, non pas qu'un pays sous la terre. Donc dans ce sens ça, stratégie Salvador alors Gadeli, il y a plusieurs potomitans. Okay. Premier potomitan qui fait que sa stratégie Salvador a réussi, c'est qu'il a révoqué 75% d'un juge corrompu qui était dans le système là. Ça veut dire juge qui t'a marché avec gang qui était dans partie de gauche là FMLN. Juge qui t'a marché à gang qui était dans partie de droite là Arena. Juge qui t'a marché avec oligarque qui était dans gang. Juge qui t'a marché avec gang yo directement. Nèg yo évoqué 75% dans juge yo. La caille nous et même 35 juges que yo révoqué yo qui sale qui pas même contesté révocation yo. Il y a 45 juges qui pis sale qui étaient dans tête pouvoir judiciaire. Qui a protégé oligarque, qui a protégé gang, qui a protégé trafic d'armes, qui a protégé drogue dealer. Comment faire contre ça? Et président
et pouvoir judiciaire, l'Elte la René Sylvestre, monsieur te font enquête côté le tabal révoqué 72 juges qui fait partie de trois catégories. Juge qui a un cabinet d'avocat. Selon la loi, le juge ou pas qu'il y a un cabinet d'avocat. Juge qui est en corruption. Et corruption avec gang, corruption avec oligarque, corruption avec drug dealer, corruption avec assassin. Et juge qui a fait politique. Tant pour Joseph Messen, Wendel Koch, Vikel da Brésil, Wilner Morin et Latrier, et Altidor, Alcindor, pardon, et Latrier. Donc, M. Tabral révoqué 72 juges. Mais bagaille la vine fuité, les bagaille la vine fuité, oligarques qui ont mis ensemble avec mafia judiciaire, ils ont tué René Sylvestre, ils ont proposé coronavirus. Donc, nous-mêmes, dans le cadre de stratégie pour craser gang, le premier élément qui est important pour nous, faut nous révoquer au moins 50 juges additionnels à commissaire gouvernement qui n'ont pouvoir judiciaire, qui n'ont gang. Ça, c'est clair. Deuxième bagaille là, faut qu'on pouvoir exécutif qui pas mêlé à gang. D'ailleurs, soit le gars des sous-compte Twitter, président Salvador Abukele, il nous consacre on l'État. C'est pas capacité que l'État a bagué pour craser gang, yo, non? C'est est-ce que moun ki nan l'État a mêlé avec gang, yo? Tout à fait. Premier ministre nan gang, ministre de l'Intérieur nan gang, ministre de la Justice nan gang, ministre de la Défense nan gang, secrétaire général Palais National nan gang. Comment on va faire craser gang nan la? Non, jamais. Il y a un contact direct avec Izo, li nan Fantôme 509, li nan 400 Maozo, qui j'on va craser gang, yo? Donc nous même en tant que pays, oui Salvador Cabal nous coûte mais nan renforcer capacité la police, renforcer capacité l'armée, renforcer capacité intelligence, permettre nous bâtir une stratégie intégrée de l'État qui gagne là dans le CASEC, qui gagne là dans le délégué vice-délégué, qui gagne magistrat, directeur départemental, qui gagne tout ministère, laisse une stratégie de l'État pour craser gang yo. Ouais ça Ariel fait là depuis 18 mois qu'il là, il bien connaît la police pour contrer pas craser gang yo. Son stratégie qui ont paquet d'institutions l'État qui pour craser gang yo, lui refuse de faire ça. Donc tout autant qu'on pas un premier ministre qui pas mêlé à gang, qui veut travailler même avec président et vice-président Salvador pour craser gang. Salvador gouvernement touye 4500 gang et gouvernement et mettez arrêté et mettez en prison 61 000 gang. Nous ka fait le tout. Haïti gen capacité entre l'armée et la police pour craser gang yo. Donc son question de gouvernement que nous gagnons pas une volonté politique parce qu'il mêlé à gang yo. Tout à fait. Donc choix pays Salvador fait pour lui aider Haïti pour lui supporter bon, moi ka di le constat parce que décision c'est dans l'idée pour supporter démarche pour un ministre Ariel Henry et pour une intervention que ce soit y a venir aider. Pas quoi c'est comme ça et vice-président Salvador a très clair. Son assistance technique qui a directement au niveau institutionnel pour c'est une assistance technique qui a directement à la police et l'armée pour craser pour apprendre qui gens pour craser gang yo. C'est ça qui est important pour yo. Ouais. Ça pas rien pour avec et présence physique. Support à un monde. Support Salvador pour un support à un monde, son support à Haïti pour Haïti gain capacité craser gang yo. Ça ni vice-président ni président Salvador a très clair par rapport à son approche bilatérale. Pour renforcer l'intelligence, pour renforcer l'armée, pour renforcer la police, ce n'est pas support au monde que lié. Non, ce n'est pas d'abord un support au monde, mais ça voulait pour nous comprendre, dans le cas de support, ça, est-ce que quand il y a un déploiement qui fait, c'est ça qui est important. Non, pas de déploiement militaire, c'est assistance technique. Assistance. Pas bien comme si soldats, Salvador, qui viennent débarquer pour venir tout dans le pays d'Haïti, non. Donc là. Donc, vice-président Salvador a très clair lui-même, ni président, yo compte intervention militaire. Yo pas d'abjem déployer soldats pour aller boumer dans le pays d'Haïti. C'est assistance technique pour aider la police à prendre et contre qui gens pour boumer l'armée, contre qui gens pour boumer et détruire gang. Finalement, avec question bandit. Donc là, li clair pour tout le monde, moun yo là, yo comprend, yo positionne yo par rapport avec tolé qui t'a fait que pays Salvador pour aller aider le gouvernement Ariel Henry et pour voir les forces militaires. Donc là, tout le monde est clair, moun yo comprend. Non, il n'y a pas de force militaire. Il y a des gens qui ont fait formation pour la police et l'armée, montrer technique pour détruire gang. Mais il n'y a pas de soldats pour aller boumer dans l'arrière. Mais c'est ça qui est important tout. Parce que nous pas qu'à seulement rester focus sur PNH lorsque l'institution n'a pas de réforme qui fait là-dedans. C'est pas seulement. Moi-même, dans l'évaluation que je fais en PNH, il y a une révocation en 250. À 300 policiers qui doivent faire de tout grade. Et particulièrement, ça qui implique dans la drogue, dans la gang, c'est ça qui est dans le fantôme 509, mais valier entre 250 à 300 qui est. Il faut nous faire vêtements et nettoyage ça. 99% policiers
et pas de problème, mais on dit 1% tout petit, il faut que nous nettoyons. Sous qui base vous faites vetting là, vous avez toute information ça? Parce que je suis capable de faire dossier depuis longtemps, ça veut dire que je suis capable de suivre la police depuis l'aile montée, et il y a 28 ans de ça, tout directeur de police qui monte, qui s'est passé sous yo, combien de policiers qui sont par promotion, affiliation récente à gang, le premier vetting qui était fait. Après Aristide mette la police dans le trafic de cocaïne avec Fouel Célestin, Lucien, tout nèg qui a été arrêté dans deal drogue. Parce que vous connaissez Aristide représente Pablo Escobar, drogue dealer Colombien en Haïti. Donc nous c'était infesté la police là, de drogue dealer et de monde qui n'a gang. Il ne faut pas oublier que c'est les Aristide qui ont crasé la mer qui est le premier gang qui a créé. Donc, il faut être convaincu après Aristide. Donc, jusqu'à présent, il doit continuer à travailler ça. Et parce que les Aristide ont un problème, c'est Oligakio qui vient récupérer tout du gang. Yo. Et c'est Oligakio qui va faire plusieurs chefs de gang qui parlementaires. Les chefs de gang, ça va venir sénateur, député. Ils ont servi à sécurité parlementaire pour élargir et quatre gangs, et pour, particulièrement dans la zone métropolitaine nan, et dans la Tibonite. Donc, moi-même, dans la simulation que je fais, et en fonction d'expérience, moi, depuis nous avons premier ministre, un gouvernement qui voulait combattre gang, et l'infant évaluation, là, après nous, entre 4 et 6 mois pour nous craser tout gang sans problème. L'armée à la police, qui a une capacité pour craser gang, c'est une question d'organisation et de volonté politique, avec le gouvernement qui l'a, pas besoin de craser gang. Donc c'est pour ça, et bagay qui est plus important pour nous, c'est qui est-ce qui a un premier ministre dans le pays d'Haïti, qui a expérience et capacité, qui n'a aucun liaison à gang et oligarque pour venir craser l'insécurité qui dans le pays d'Haïti. Mais en fonction d'évaluation, mais de connaissances, nous avons besoin de 4 à 6 mois. D'ailleurs, pour le jeune capitaine des émissions là, bon document, vous voyez, vous allez regarder, qui a publié depuis 2017, document relais et proposition. Et pour une nouvelle stratégie de sécurité nationale pour Haïti, par Stanley Lucas. J'ai écrit en anglais tout pour les gens qui lisent en anglais. Lire les Reframing Haiti's National Security Strategy. J'ai écrit depuis 2017. Ouais. Donc, j'ai identifié 7 grandes menaces de sécurité nationale et quel type de renforcement institutionnel que nous devons faire pour combattre gang. Par exemple, je vous dis, il n'y a pas une organisation de l'intelligence dans l'État. Sans intelligence, l'armée ni l'armée ni la police n'a pas écrasé gang. Par exemple, je dis qu'il y a un gang qui est dans le village de Dieu, qu'ils ont gagné. Faut me connaître combien de monde qui n'a gang là, faut me connaître combien d'armes que gagne, combien de revolvers, combien de mitraillettes, faut me connaître combien de motocyclettes, combien de machines, combien de téléphones que gagne et qui moyen financier que gagne dans mais qui monde clé qui en dans gang là, c'est intelligence qui pour baoul. Je veux dire intelligence dans l'État à organiser et au sens que président Jovenel Moïse t'a pas essayé organiser nèg qui était dans gang yo t'es camp en face li pour pas jamais organiser capacité l'État pour lutter contre gang. Donc, je vous dis à les nègres qui ont campé en face à l'Agence nationale d'intelligence et les ont campé contre le code d'instruction criminelle qui a augmenté la peine de monde qui n'a gang, c'est gang que nègres ont protégé à l'époque. Et nous voulons que tout nègres qui ont contre bagay ça, SDP, Ariel, tout réseau ça, ils ont tout dans gang. Tout réseau bandit. Et Stanley Lucas et M. déjà, nous ne pouvons pas qu'un bout de volant. Bon, bah, là, c'est que je vous dis à tout le monde qui a traité. Yo tout tourné dans l'arrière. Pa ka pa gen menti encore. Et ça qui plus grave là tout, ça qui plus grave là, et population peuple là ouais en bas tout monde, peuple là connaît qui ça pour n'a régler là. C'est ça. Mais c'est seulement bon moment on dirait que y a temps pour passer à l'action pour mettre pays en son l'autre rail. Et c'est pour ça, même intervention militaire qui n'est y a cherché à et blanc yo ka prendre saisissement là-dedans oui, parce que les peuples là vinn ouais clairement blanc yo. Si vous avez mal à débarquer, c'est affaire oligarque qui vient régler. Ce n'est pas affaire peuple haïtien. Hein? Et dans le livre que le général français écrit, M. Le Lou Franca, M. son général français qui travaille pour les Nations Unies, M. un livre qui est maîtriser la violence. L'idée est que les communautés internationales ont laissé aller à l'encontre de revendications peuple. Et ça qui va arriver, c'est que quelqu'un laisser frapper entre peuple et communauté internationale là, et laisse à gampir soldats étrangers, fois ça qui tombe en Haïti. Et par rapport à la situation, ça. Et c'est ça, nèg yo konnen. C'est ça, nèg yo konnen qui fait depuis le mois de juillet, où est-ce qu'on sait des blancs qui ont viré, et pour où ça a ouvert, où vous pouvez faire le nom. Parce que vous voyez que les conditions aujourd'hui, en 1994, blancs, vous voyez que six fois ça a ouvert soldats dans le pays d'Haïti, gampir soldats qui ont tombé sous terre.
Et situation pas même tout, il pas même par rapport avec et 2014. Paramètres ont changé hier, Et vingon l'autre réalité tout c'est que étant donné li clair que blanc ont participé dans tout le président Jovenel Moïse, bon sentiment anti-blanc dans l'aria et peuple a vinn comprendre tout, bon série de blancs qui fait partie de élite globaliste corrompue et une série de blancs racistes, nèg yo son seul bagay a chercher intervention militaire pour yo vinn voler sa camp bataille en balan mais pays d'Haïti. Peuple a pas d'accord à ça. T'as changé. Eh bien, Stanley m'a dit annonce, nous pas trop long, nous très bref dans l'émission jeudi à la pour intervention. Yo. Et c'est un véritable plaisir pour te recevoir, pour te partager point de vue sur situation paysan, sur situation paysan. Et bye moun yo lumière sur différents dossiers qui a dominé l'actualité. Donc, on le fait encore, Mabdou, merci. Et m'espérer à bien l'autre occasion, côté qui a toujours intervenu dans le micro mon éditorial avec Yannick, qui c'est émission Power pour venir parler avec Kéya. Moi remercie en pile et moi remercie tout auditeur yo. Moi espère que tout le monde qui t'a attendu après nos bagages. Et moi crois que moment que n'a vivre là, son moment historique, mais parce que son moment nous crase un système pour bay pays en chance. Bon Dieu béni ou kembe là. Merci en pile. Bye bye. Bon, voilà, pas rien de plus m'a pas ajouté. Et Stanley dit tout ça pour te dire, me dit tout ça pour te dire, et par rapport avec situation paysan, nous te mettre toute journée là, on a parlé, et débat pas jamais fini, débat toujours intéressant, là, toujours alimenté, et par de nouveaux arguments, parce que ça qui a passé au-dedans paysan, non seulement le monde pour nous réfléchir sur lui, pour nous avancer, pour nous partager ça, nous gagner comme opinion, mais tout pour nous venir avec des éléments de solution qui a abouti avec stabilité avec pour solution par rapport avec problème sécurité. Mais qui ça nous constate finalement c'est que moun sa nous gen comme autorité en dedans pays, yo pas besoin expert, yo pas besoin et proposition et comme si yo gen la science infuse puisque c'est eux même qui est à craser pays puisque c'est eux même qui gen relation à gang à bandi qui a craser pays, yo préférer rester de manière unilatérale sous ligne par eux après que les affaires par eux et puis peuple en l'autre bord après l'église a fait parle. Donc nous-mêmes nous toujours là dans l'émission pour nous porter information pour vous, pour nous chercher information pour bonne information, pour nous partager avec vous dans souci pour être connecté à tout petit détail qui a passé en dedans la République. Sous pourquoi abonner à la chaîne là, m'a invite à abonner. Activez la cloche notification comme ça après t'es connecté avec nous, pas rater aucune dans vidéo n'a gagné pour nous poster. Rendez-vous à cassé 7h boule avec Foucault pour reste programmation. Restez connecté avec plateforme là pour pas rater aucune dans vidéo n'a gagné pour nous poster. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et bien on agit. Désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick.